Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette leçon où on va connaître dix termes importants dans le domaine des installations de l'énergie solaire. Le premier terme est l'irradiation ou l'éclairement solaire. C'est la puissance du rayonnement solaire par unité de surface. Dans le système international d'unités, elle est mesurée en watts par mètre carré. Il existe plusieurs types de l'irradiation solaire. Le diffus, le direct et le réfléchi au albedo. Le rayonnement global G est obtenu par la somme des trois types de rayonnement direct plus diffus plus réfléchi. Deuxième terme les conditions STC. Les caractéristiques électriques des modules photovoltaïques sont souvent données en conditions appelées STC. STC est l'acronyme de Standard Test Condition en anglais, c'est-à-dire les conditions standard de test. Ces conditions sont trois. R masse AM égale 1,5 qui représente la masse d'air. Un rayonnement solaire de 1000 watts par mètre carré et une température de cellule de 25 degrés Celsius. Troisième terme est la nocte. Ou nominal operating cell temperature C'est la température nominale d'utilisation des cellules photovoltaïques d'un panneau solaire elles s'expriment en degrés Celsius et se trouvent sur la fiche technique des panneaux solaires Avec la NOCT, les constructeurs de panneaux ont introduit des conditions de test de fonctionnement des cellules photovoltaïques qui s'approchent de la réalité ces conditions sont Un air masse de 1,5 et une vitesse de vent égale 1 mètre par seconde. Un rayonnement solaire de 800 watts par mètre carré et une température de cellule de 20 degrés Celsius. Quatrième terme, le watt crête. C'est un paramètre qui définit la valeur de la puissance maximale P qui peut être produite dans les conditions standards de test STC. Cela permet de comparer les niveaux de rendement de deux panneaux de fabrication différents et également de dimensionner l'installation nécessaire par rapport au rendement souhaité. Cinquième terme est le rendement. C'est le rapport entre la puissance produite par le module PV PMAX et la puissance reçue qui est égale à E, l'éclairement en watts par mètre carré. Fois la surface S du module en mètre carré. L'unité de rendement est en pourcentage. Il y a deux types de rendement le rendement de la cellule photovoltaïque et le rendement du module photovoltaïque. Il faut noter que le rendement de la cellule est toujours supérieur au rendement du module. Sixième terme est le ratio de performance noté PR ou Performance ratio. C'est un coefficient qui permet de quantifier les pertes intrinsèques de l'installation photovoltaïque. Le ratio de performance est donc un nombre entre 0 et 1 ou 0 et 100%. Plus il est proche ou de 100%, plus l'installation est performante d'un point de vue électrique. Tout dépend le but de l'étude, des installations et le nombre de données à analyser. Le PR peut être journalier, mensuel ou annuel. Afin d'avoir une idée sur l'état de santé de notre système, si la valeur du PR est supérieure à 70%, cela montre que le champ des panneaux solaires fonctionne bien. Si la valeur du PR est inférieure à 70%, ça veut dire qu'il y a un problème de production et il faut faire un diagnostic des différents composants du système photovoltaïque. Septième terme est le rapport DC-AC. C'est une source courante de confusion lors de la conception du système solaire et la relation entre les modules PV, les onduleurs et leur puissance nominale. On peut calculer la relation DC/AC ou le ratio DC/AC par le rapport entre la capacité du champ PV DC en kW crête calculée en condition STC et la capacité AC de l'onduleur. Il est préférable de choisir une valeur du ratio DC/AC supérieure à 1. Mais il ne faut pas avoir une valeur très élevée, par exemple un rapport DCAC de 1,5, qui entraînera des pertes de crétage de 2 à 5 Donc, il est courant d'avoir un rapport DCAC aussi élevé que possible, sans avoir de pertes de crétage significatives. Huitième terme est l'effet PID, ou Potential Induced Degradation, se traduit par la dégradation induite du potentiel. Ce phénomène se caractérise par la dégradation progressive des performances des modules photovoltaïques, due à la présence d'un courant électrique induit au même du module. Ce sont les modules situés au pôle négatif de la chaîne qui sont touchés en premier. L'effet PID agit comme un virus. Ainsi, la dégradation peut se propager rapidement de cellule en cellule. En conséquence, les panneaux solaires ne réalisent pas le rendement attendu sur 20 ans. PID se produit généralement après 2 à 3 ans et la dégradation se produit rapidement. Neuvième terme est le microgrid ou micro réseau. Comme son nom l'indique, est une version réduite d'un réseau électrique classique. L'énergie est apportée directement à un groupe d'utilisateurs au départ d'une production locale. Un microgrid est donc un sous-système qui n'est connecté au réseau général qu'en un seul point. Cette connexion agit comme un interrupteur qui permet de débrancher le microgrid du réseau public. En cas de panne par exemple, il peut temporairement fonctionner de façon autonome en îlot. Pour pouvoir fonctionner, un micro-réseau doit comporter trois éléments indispensables. Une installation de production d'énergie locale pour assurer son autonomie en cas de déconnexion du réseau public. Un système de stockage et un système de gestion intelligente pour assurer l'équilibre constant entre la production et la demande d'électricité. Il y a le off-grid où certains endroits ne peuvent être raccordés à un réseau public en raison de problèmes économiques ou de leur situation géographique. Les microgrids qui sont développés ne sont pas reliés à un réseau macrogrid et fonctionnent en permanence en isolé. Dans le cas contraire, où le microgrid est connecté au réseau public, il est appelé en grid. Le dernier terme est les normes IEC. IEC est la Commission électrotechnique internationale, ou en anglais International Electrotechnical Commission. C'est l'organisation internationale de normalisation chargée de plusieurs domaines, notamment le domaine de l'énergie solaire.